Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau. Que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur enfoui et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur. Ta présence, Jésus, alléluia. Merci parce que tu es là, Seigneur, alléluia. Oh, comme on aime être avec toi, Seigneur, comme on aime être dans ta présence, Seigneur. Ta présence qui fait du bien à nos âmes, qui fait du bien à nos cœurs, qui fait du bien à nos esprits, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, Seigneur. Viens remplir cette salle. Viens remplir cette salle de ta présence, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Là, on va passer par le prochain chant qui est ébloui de Dan 8 ans. Mmh.
vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Et
Merci Seigneur parce qu'on peut venir tout déposer à tes pieds, Jésus. Merci parce que tu portes nos soucis, nos problèmes, Seigneur. Merci pour ça. Merci parce que tu les as portés jusqu'à la croix, Seigneur, pour nous. Merci Seigneur de nous avoir pardonnés. On est oui par cet amour que tu nous as fait, Seigneur. C'est surréaliste pour nous. Ça nous dépasse totalement cet amour, Seigneur. Merci. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Te chanterai, car tu me bénis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur me chante, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma vie, le Seigneur me renvoie. Chantera, car tu me bénis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Alléluia. Alors, le prochain chant est « Tremble ». Que tout devienne paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom. J'avais déjà lu, mais là je l'ai relu, et puis j'ai vraiment senti le sens du verset. C'est dans Jean 8,
Jean et Louis. C'est justement dans le fameux chapitre justement de la femme adultère, cette histoire où justement, je vais lire le verset et je vais ensuite vous donner justement mon ressenti par rapport à ce verset, ce qu'on en tire justement comme réponse dans ce verset. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à lui enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre en piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Jésus, justement, c'est que tout d'abord, l'être humain, il n'a aucun pouvoir pour nous condamner, parce que on est tous pécheurs. C'est là qu'ils sont retirés chacun leur tour, parce que ils ont pris conscience qu'en effet, ils avaient tous péché et qu'il n'y en avait aucun d'eux qui n'avait pas péché. Du coup, c'est pour ça que il y a eu justement aucune pierre qui était jetée contre elle. Et du coup, et Jésus nous dit à la fin qu'il la condamne pas. Et pour dire comme quoi, Jésus ne condamne pas le pécheur, mais le péché en soi, en fait. Ce qu'il rejette, c'est le péché, mais pas la personne, en fait. Parce qu'on reste pécheur. Et il lui dit justement cette femme, mais va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va, je ne te condamne pas, moi non plus, je ne te condamne pas, mais juste une condition, ne pêche plus, évite de pécher. Mais en effet, moi, ça m'a frappé parce que j'ai pris conscience comme quoi c'est vraiment le péché qui nous mène justement à la condamnation et justement avant qu'on pêche. Enfin, au moment où on pêche, Jésus nous pardonne déjà d'avance. Et je trouve ça magnifique, parce que, voilà, malgré comment on est, il n'y a pas de condamnation, il ne nous rejette pas. Et souvent, on se dit, mais on a l'impression que voilà, si on fait telle et telle chose, etc., ou des fois, on a un sentiment de culpabilité qui surgit d'un coup. Mais il faut se dire que, justement, Jésus ne nous condamne pas, nous, mais condamne le péché. C'est pour ça que lorsqu'on pêche, il faut se repentir. Parce qu'en fait, en soi, c'est nous-mêmes, en fait. On se condamne nous-mêmes tout seul, en fait. Jésus, il est là, il rapporte que de l'amour, que de la compréhension, que de l'empathie.
Puis nous, c'est en fait l'être humain qui déraille, quoi, qui part de l'autre côté, qui se condamne tout seul, en fait, qui s'autodétruit, en fait, une autodestruction sur lui-même. Mais en vrai, Jésus, justement, ben, il ne nous rejette pas, nous, mais il rejette le péché. Et la question à se poser, c'est que est-ce que Jésus nous rejette? Ben non. Il rend justice, justement, en nous prévient que voilà, les conséquences du péché. Et puis, c'est ça que je trouve magnifique. Et ouais, c'est le péché en soi qui nous condamne, ce n'est pas le Seigneur. Parce que ouais, il est beaucoup trop bon, il est beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, et il faut vraiment se dire que ouais, qu'on peut vraiment être serein et avoir un cœur pardonné, être libre, que c'est Jésus-Christ qui vient nous justifier, parce que nous, on a rien justifié. Quoi, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par Jésus-Christ. On n'est pas sauvé parce qu'on va faire telle et telle chose. T'as péché, ne reviens pas dans ce péché. Repends-toi, puis essaie pas de poser des questions. Non, c'est la grâce qui vient frapper nos cœurs. C'est ça que je voulais ajouter. Amen, amen. On va aller dans Psaume chapitre 1er. C'est un psaume que l'on peut apprendre par cœur. Et vous allez voir, dans ce psaume, il y a des encouragements pour notre vie, pour ta vie, pour ma vie ce matin. Psaume 1er. Qui le connaît par cœur? Pas moi. Qui l'a déjà appris par cœur? Ça commence comme ça. Alors on y va. Heureux l'homme. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Mais il la voit qu'elle manque de constabilité. Il est comme un arbre planté, comme un cours d'eau. Alors là, c'est en anglais. Toi, tu l'as appris par cœur en anglais. Ah oui, allez. Donc, il donne ses fruits. Il donne ses fruits. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne ses fruits. Voilà, il est planté près d'un courant d'eau, il donne ses fruits. Là-bas, on a dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ouais. Voilà, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. À l'abri de la sécheresse. Non, ça c'est un autre psaume. Qui ne s'assied pas à côté de mon cœur. Mais qui trouve sa joie dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage, il se fait pas, et ça termine avec une phrase et un résumé extraordinaire. Tout ce qu'il fait, lui est réussi. Amen. Alors moi, je l'ai appris par cœur, personnellement, depuis des années, parce que je trouve que c'est résumé vraiment la vie chrétienne. Et des fois, quand on est attaqué, quand on a besoin d'être encouragé, moi, je pense que c'est important que ce psaume, on puisse vraiment le méditer. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cet homme, cette femme, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas un poème, Seigneur. C'est ta parole. Et même si dans ta parole, il y a de la poésie, il y a des rimes en hébreu, c'est ta parole, Seigneur. Tu es l'écrivain. C'est toi qui as inventé la littérature. Mais Seigneur, cette littérature, à la différence des Victor Hugo, des Balzac et des autres, des Stendhal et des autres, Seigneur, cette littérature, elle est vivante, elle produit dans nos cœurs un fruit. Alléluia. Alors que ta parole produise du fruit, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Heureux l'homme, heureux l'homme. Déjà, frères et sœurs, je voudrais vous encourager à la joie ce matin. Amen.
C'est vrai qu'on est dans un temps où, il faut le dire, on est quand même pas mal bousculé avec pas que la pandémie, il y a ça, mais aussi toutes sortes de mauvaises nouvelles, qu'on entend des choses qui se passent dans l'église, des meurtres, des enfants qui sont battus, des divorces. Il y a de quoi, si on n'est pas dans le Seigneur, tirer la tête du lundi jusqu'au dimanche. Mais, comme on a le Seigneur, eh bien ce psaume commence comme ça. Heureux. L'Évangile nous rend heureux. La Bible nous dit que c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile nous rend heureux. Alléluia. Et je crois que la joie, effectivement, qui est le deuxième fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. La joie, c'est le deuxième fruit de l'esprit. Quand on n'a plus de joie, il n'y a plus rien qui se passe dans nos vies quand il n'y a plus de joie. On peut avoir la paix, on peut être serein, et c'est bien. On peut manifester de l'amour, on peut avoir de la patience, de la bonté les uns envers les autres, de la maîtrise de soi, combien on en a besoin. Mais si on n'a pas la joie, quelque part on est mort. La joie, c'est extrêmement important. Heureux l'homme qui, etc. Heureux. Donc, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu veut, n'est-ce pas ? Dieu veut que tu sois heureux. Heureuse. Et non pas de cette joie qui dure un temps et puis qui s'évanouit dès qu'il y a un problème. C'est vrai que quand il y a un problème, quel qu'il soit, et plus les problèmes sont graves, plus la joie, quelque part, elle est impactée. Mais c'est là où eh bien, nous devons nous fortifier, on va le voir, pour que cette joie demeure. Le but de l'Évangile, c'est vraiment de nous rendre heureux. Le Seigneur, quand il a donné sa vie sur la croix et qu'il a porté sur lui nos péchés, pourquoi en fait ? Pour qu'on soit sauvé, oui. Mais aussi et surtout parce que en fait, le salut amène dans nos cœurs la joie. La joie, c'est ça qu'il faut. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Donc le but de Dieu, c'est qu'au travers du salut, il nous rend vraiment heureux. Et il a dit, la joie qu'il nous donnera, personne ne pourra nous l'enlever. Parce que la joie qu'il donne, c'est pas comme la joie du monde. Donc ce verset, cet aspect-là, tellement important de la joie, commence ce psaume. Le Seigneur ne nous dit pas, tu dois faire ça. Le Seigneur nous dit, tu es heureux. D'accord ? Tu es heureuse. La joie t'appartient. La joie est à ta portée. La joie doit être ta vie. Amen. Vous savez, quand on dit, oui, un chrétien ne doit pas blaguer, mais où est-ce qu'on a lu ça dans la Bible ? Oui, qu'on ne doit pas, c'est clair, on ne doit pas avoir des plaisanteries. Quand la Bible parle de plaisanteries, c'est ces plaisanteries malsaines, etc. Mais qui d'entre nous fait ce genre de plaisanteries ? Mais combien c'est important d'être un peu blagueur. Combien c'est important de taquiner. Vous savez, il y a un proverbe, c'est pas dans la Bible ça, mais qui dit « Qui aime bien, pas châtie bien, taquine bien. » Moi, j'aime bien quand ma femme me taquine, ou quand mes enfants me taquinent, ou quand un frère, une sœur me taquine. La joie se manifeste. Elle se retient pas, la joie. C'est spontané. Il y a quelque chose qui est là, qui doit sortir, qui doit se manifester. Comme un jour un frère disait, en Bretagne, vous savez, c'est dans le nord-ouest de la France, ce frère disait, un frère converti, vraiment engagé, il disait, moi j'aime pas la louange, j'aime pas chanter, j'aime pas la musique. On dit, bah, dites donc, vous devez être une mentrice. Il dit, non, moi j'aime pas les chants, tout ça, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai qu'il ne respirait pas franchement la joie du Seigneur. L'austérité, c'est pas cela vers quoi le Seigneur nous emmène. La parole de Dieu, lorsqu'on s'est repenti, d'accord ? Lorsqu'on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, la première chose qui vient, c'est la joie. Alléluia. Heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné son péché. C'est plein dans les psaumes. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme et la femme à qui le péché est pardonné. La première chose qui vient dans ta vie quand tu reçois Jésus, c'est la joie, le pardon des péchés. Que ça fait du bien.
Vous savez, dans le judaïsme, on appelle ça le vidouille. C'est-à-dire, il y a la teshuva, le fait de se repentir, et ensuite, il y a le vidouille. La kapara, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est, il faut payer un prix. Notre kapara, c'est Christ. Il a payé un prix pour nous. On n'a rien à payer. Et le vidouille, c'est le fait de pouvoir, si vous voulez, évacuer. De pouvoir sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne suffit pas simplement de dire au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi. » Je crois que pour avoir cette joie du salut, il faut vraiment tout dire au Seigneur. Hein, le vidouille, c'est, en fait, c'est l'image qui est dans l'épître de Pierre. Hein. C'est l'image de pardonnez-moi, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, du vomi. Voilà, c'est une image. Hein, c'est ce que dit Pierre. Hein, c'est ce que dit Pierre. Et il y en a, ils se revautrent encore là-dedans, ceux qui sont dans le monde. Mais quand on se convertit, quand on donne notre vie au Seigneur, hein, on ne devient pas parfait. Il peut nous arriver, effectivement, de retourner dans l'amour. Hein. Et alors après, eh bien, on se repent, on revient. Ça, c'est repentir, c'est revenir vers Dieu. Hein. Faire demi-tour, revenir. D'ailleurs, rien que le mot Teshuvah, on a tout un message là-dedans, parce que ça ne veut pas juste dire pour nous revenir, ça va juste au retour du Seigneur, au retour d'Israël, etc. On revient vers le Seigneur, mais c'est important de lui dire, Seigneur, tu vois cette pensée, Seigneur, tu as entendu cette parole, Seigneur, tu as vu cette action, Seigneur, je te confesse. Hein, je me disais il y a quelques temps, un mardi soir, dans une étude, les catholiques ont gardé la confession. Seulement, bon, c'est faux parce qu'ils se confessent à un homme, c'est ça qui est faux. Mais confesser ses péchés, c'est biblique. La confession, c'est biblique. Alors que font les hommes qui vont dans une église catholique, hein, et qu'on ne juge pas parce que combien étaient catholiques et qui sont catholiques, et on sera surpris là. Mais le problème, c'est que quand on va vers un homme, confesser ses péchés, disons, confesser ses fautes, ça ne suffit pas parce que lui, il ne peut pas nous pardonner. Donc, le fait de confesser encore, à la limite, ça peut faire du bien, de confesser à quelqu'un, de confesser à une personne de confiance, tu vois. J'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, il faut que je me libère. Ça, c'est confesser. Mais, il ne peut pas nous pardonner. Et c'est le pas qu'a franchi, malheureusement, mais la prêtrise, hein, dans le catholicisme. C'est ça qui est faux. Il ne peut pas pardonner. Je t'absous de tes péchés. Non, il n'y a que Christ qui peut nous pardonner. Donc, c'est important pour être heureux. Je suis toujours dans mon message. La joie est liée dans la Bible avec la confession des péchés. C'est clair et c'est évident. Qu'est-ce qui nous charge? Franchement, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? On va dire que ce sont les soucis. Oui, c'est vrai. Ça peut nous rendre malheureux. Mais le souci à la base... Eh bien, c'est parce qu'on a laissé de la place pour l'inquiétude, etc. Alors, on n'a pas lu assez la parole de Dieu, on n'a pas assez prié, on reste humain, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ce qui rend malheureux l'homme, c'est le péché. Donc, le fait de confesser son péché et de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je te confesse ça, comme l'a dit tout à l'heure notre frère. Cette femme, elle est venue, là, elle était mise à nu devant le Seigneur, et Jésus ne l'a pas condamnée. Mais il lui a dit, va et ne pêche plus. D'accord ? Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu nous demande, frères et sœurs. La croix est là pour nous rappeler, d'accord ? Quand on voit cette croix, bon, voilà, c'est une image, mais on voit cette croix, c'est repoussant une croix. Quelle qu'elle soit, même, vous savez, à l'armée du salut, ils ont une croix toute simple. Hein ? Mais dès qu'on voit une croix, c'est repoussant, parce qu'on sait que sur la croix, on crucifiait des hommes. Hein ? Donc, la croix, il y a quelque chose de repoussant parce que c'est le péché qui nous repousse. C'est le péché qui est repoussant. Christ a pris notre péché. Et donc, oui, il y a quelque chose de repoussant. C'est pour ça que Christ a été fait malédiction pour nous. Vous vous rendez compte? Lui, le saint, le juste, il a été fait malédiction pour nous. Et alors, quand on confesse notre péché, qu'on réalise que Christ l'a pris à la croix, que Christ s'en est chargé, que nous n'avons plus à nous culpabiliser, à nous condamner, à nous torturer l'esprit avec notre péché, ben, qu'est-ce qui va remplacer ça? La joie.
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Et je crois qu'on doit le réaliser, et peut-être que dans nos vies, effectivement, si parfois il y a un manque de joie, c'est pas parce qu'il y a forcément des soucis. Il peut y avoir des, bien sûr, on a tous des soucis, on a très peu de sous, on a quelques 6 sous, mais on a beaucoup de soucis. Par contre, on a, je crois, parfois à retrouver, oui, cette confession dans l'intimité avec le Seigneur, ou même cette confession les uns envers les autres, cette confession dans le cadre du couple. Chérie, je te demande pardon pour ceci, pour cela. Mon frère, je te demande pardon. Ma sœur, je te demande pardon. Et ça libère. Et quand on est libéré, on est joyeux. Et c'est ce que Dieu veut, heureux. Rendez compte, tous les psaumes commencent par ce mot-là. Tous les psaumes sont résumés dans ce seul mot. Heureux. Dieu veut que tu sois heureux, que je sois heureux. Amen. Alors, voilà, heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ok, on ne va pas écouter les conseils des méchants, on va écouter les conseils du Seigneur pour être heureux. Heureux l'homme qui ne va pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, on ne va pas s'arrêter effectivement sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ok. On passe heureux. L'homme également qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On va éviter aussi des compagnies qui vont être néfastes. Pas parce qu'on est des purs et puis que les autres sont tous des souillés. Non, mais parce que, et surtout quand on est aussi nouveau dans la foi, il faut faire extrêmement attention parce que certains sont retournés. À cause des mauvaises compagnies, ils sont retournés, si vous voulez, tout en étant dans l'Église, mais ils sont retournés dans le monde quand même, à cause des mauvaises compagnies. La Bible nous dit « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se cloîtrer chez nous, on est dans le monde, mais s'asseoir à côté, c'est beaucoup plus que s'asseoir juste comme ça, une chaise à côté de l'autre. C'est vraiment être avec, faire quelque chose avec. On n'a rien à faire avec des moqueurs qui se moquent de Dieu. D'accord ? Qui se moque de Dieu, qui blasphème contre Dieu. Moi, je n'ai pas envie, franchement, de faire un tennis avec une personne comme ça. Hein, franchement. Ou de faire une promenade avec quelqu'un qui ne veut rien écouter de Dieu, qui blasphème, qui pense qu'au péché, à parler de ceci, de cela. Ça ne va pas m'intéresser de lier d'amitié avec cet homme-là. Ou avec cet homme-là. Hein. Et puis les femmes, de lier d'amitié avec des femmes aussi qui se moquent de Dieu. Qui se moquent des choses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec la laïcité, on a le droit de se moquer de tout. Vous avez vu ce que ça a donné avec Charlie Hebdo. Personne ne va justifier ça. Mais quand même, on s'est moqué de Jésus, on s'est moqué de tout le monde, et puis après, on se moque de toutes les religions. Voilà. Il y en a, ils ont pris au mot, et puis il s'est passé, malheureusement, ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de limite. Au nom de la laïcité, on peut se moquer de tout. D'accord ? On peut se moquer de tout, et moi, je ne crois pas qu'on peut se moquer de tout. Je ne crois pas qu'on peut se moquer de la Shoah. Je ne crois pas qu'on peut se moquer des Noirs africains en les insultant de toutes sortes de noms, en jouant sur la couleur de leur peau. Je ne crois pas qu'on peut se moquer de cela. Je ne crois pas qu'il y a, comment dire, une liberté en tout. Hein. Eh bien, ces moqueurs, s'ils se moquent de tout, eh bien, je suis désolé, moi, je ne vais pas devenir l'ami de quelqu'un qui se moque de tout. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est étonnant parce que le fait d'être heureux dépend aussi de ça. Vous voyez comme la parole de Dieu nous montre que non seulement ce que nous sommes intérieurement eh bien, va rejaillir ensuite extérieurement par la joie, mais les personnes aussi que nous fréquentons vont avoir un impact sur la joie qu'on va avoir dans notre vie. Et franchement, des jeunes et des moins jeunes, des fois je leur disais, mais à quoi ça sert ces fréquentations? À l'époque d'Israël, c'était Israël d'un côté, les nations de l'autre. C'était symbolique, mais pour montrer que le Seigneur disait, si vous vous mariez avec des non-croyants, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous entraîner vers les folies. C'est vous qui allez déteindre sur eux. Mais non, nous, Seigneur, on est fort. Le moqueur, il va déteindre sur moi.
Le méchant, il va déteindre sur moi. Le pécheur, il va déteindre sur moi. Eh ben non, c'est pas ce que dit la Bible. C'est pour ça que la Bible nous dit à nous, à chacun, fais attention à tes fréquentations. Fais attention. Comment on fait pour marcher ensemble quand on n'est pas d'accord au niveau spirituel? Franchement, comment c'est possible? C'est extrêmement compliqué quand au niveau spirituel, on n'est pas OK. Le Seigneur nous avertit. Alors après, c'est sûr que ben voilà, la joie, elle n'est pas là, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce que malheureusement, effectivement, il y a des personnes qui vont, sans qu'ils s'en rendent compte, sans que nous allons nous en rendre compte, ternir notre joie. Alors que Dieu nous garde, voilà, de ces hommes, de ces femmes qui n'ont pas à être nos amis. Les amis de Jésus, c'était les disciples. D'accord ? Voilà. Jésus allait parler à tout le monde. Mais ses amis à lui, c'était les disciples, ou en tout cas les pécheurs qui voulaient de lui. Les pécheurs qui voulaient de Dieu. Les pécheurs qui se repentaient. C'était ça, les amis de Jésus. C'était même pas les pharisiens. C'était pas les amis de Jésus, les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient des moqueurs. Vous voyez ? Les amis de Jésus, c'était ses disciples. C'était des publicains convertis, des gens de mauvaise vie qui avaient fait demi-tour. C'était ça, les amis de Jésus. Et puis, pour être heureux, la Bible nous dit clairement qu'il nous faut être au contact avec sa parole. Et plus que ça, qu'il nous faut prendre plaisir à méditer la parole de Dieu. Alors, il y a des hommes qui... aiment beaucoup lire et qui peuvent passer des nuits entières parfois, ou presque en tout cas, à lire des livres parce que ce sont des lecteurs, ils aiment ça. Alors c'est vrai, ça peut apporter un certain bien-être, entre guillemets. Mais la joie du Seigneur, ça n'a rien à voir avec les livres. La joie du Seigneur, elle est là, elle est dans ce livre. Et je crois qu'en méditant, comme le dit la parole de Dieu, en méditant toujours plus la parole, notre joie, elle va grandir. Je disais, je crois que c'était la semaine dernière, aux frères et sœurs qui étaient là à la prière, soyons concrets. La Bible, moi j'ai une Bible ici, elle fait 1457, si mon souvenir est bon, 1457 pages. Alors attendez, je vérifie. Ah non, un petit peu plus. Ah oui, non, 1457. Elle fait 1460 moins 3 parce qu'elle commence à la page 3. Donc 1457 pages. Ça fait, hein. Mais on peut se dire, tiens, en un an, j'ai envie de lire toute la Bible. Comment on fait ? 1457 divisé par 365, et tu auras 4 pages à lire par jour. Ça fait ça. Ça fait ça, ça, ça et ça, par jour. En un an, tu as lu toute la Bible. Il y en a qui veulent la lire en 2 ans, tu multiplies par 2. Plus ? Méditer, prendre plaisir à la parole de Dieu. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas en lisant de temps en temps la Bible qu'on va prendre plaisir à la parole de Dieu. Ah non. C'est vraiment en la méditant. Il est dit, il faut la méditer jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être jour et nuit devant la parole de Dieu. Non. Jour et nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un intérêt là, constant, pour la parole de Dieu. C'est une... on va dire une hyperbole, jour et nuit. Personne ne peut lire la Bible jour et nuit, même les pasteurs, c'est impossible. Donc pourquoi c'est dit jour et nuit? C'est une hyperbole pour nous montrer l'importance, d'accord, de lire, de méditer, de prendre plaisir à la loi de Dieu, à la parole. Est-ce que tu as déjà lu tous les psaumes? Est-ce que tu as déjà lu tous les proverbes? Tout le livre de l'Ecclésiaste? Tous les prophètes? 1457 divisé par 365. Voilà. Chez moi, ça fait 3,99. 4 pages, je crois. Mais c'est concret. Donc, si j'ai envie de la lire en une année, je lis 4 pages. Et je m'y tiens. Que j'ai envie, que j'ai pas envie. Parce qu'il y a des jours où on se lève du mauvais pied. Et puis, en lisant la Bible, on est remis sur le bon pied. Il y a des fois, on croit que c'est bien. D'accord ? Ceci, cela, c'est bien. On lit la Bible. Ah ouais, d'accord. Ah ben non, finalement, c'est pas bien. Ah,
on le sait, on est chrétien. Oui, on est chrétien, mais on ne le sait pas forcément. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc sans la parole de Dieu, il n'y a plus de lumière. C'est éteint. Mon sentier, ben je vais un peu, même si je suis un pasteur engagé, s'il n'y a pas la parole de Dieu, la lumière dans ma vie s'éteint. Et non pas de la lire de manière religieuse, en disant « j'ai déjà lu, je relis ». Non ! Parfois, c'est bon de s'arrêter sur un mot. Je vous ai dit tout à l'heure « heureux » et dire « tiens, comment ça se fait qu'il y a ce mot-là au tout début du psaume et au tout début de tous les psaumes ?» Il y a quelque chose là. « Heureux ». Seigneur ne nous dit pas « ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ne t'assieds pas en compagnie des bons cœurs, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, etc. et ensuite tu seras heureux. » Non ! « Heureux !» Et ensuite il explique. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui est en train de se présenter aux élections présidentielles en France, mais il y a des choses qui disent, c'est vrai, aujourd'hui on n'aime plus réfléchir. On aime que les gens nous disent des choses déjà toutes faites, et puis on n'aime plus réfléchir, on n'aime plus chercher, on n'aime plus, quelque part, se forcer, travailler, non. Et on voit l'état dans lequel est le niveau scolaire des écoles aujourd'hui. Déjà, en l'espace de 20 ans, c'est incroyable comme ça a changé. Le niveau du bac en France, aujourd'hui, on le donne, mais comme ça, quoi, quasiment. Pourquoi ? Parce que il faut suivre le mouvement. Voilà, il faut suivre le mouvement. Aujourd'hui, très peu connaissent l'histoire. Très peu. Ah, c'est pas intéressant, l'histoire. Si tu connais pas l'histoire, tu peux pas connaître l'avenir. Parce que la Bible, elle est dans un contexte. Ce qu'on vit... On dit c'est nouveau, non, ça a déjà existé. Ah bon, oui, ça a déjà existé ce qu'on vit. Donc on sait déjà ce qui va arriver. Puisque ce qui est là, ça a déjà existé. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais aujourd'hui, et c'est vrai, malheureusement, les jeunes, etc., les enfants, moi je vois, je suis la scolarité des jumelles, mais moi je suis derrière. Parce que je ne veux pas qu'elles s'arrêtent juste à... On a appris ça, puis c'est tout. Le reste, on joue, on fait ce qu'on veut. Non, il faut approfondir. Vous voyez ? Approfondir. Tu as bien compris ça ? On va faire des exercices. Est-ce que tu as bien retenu ta leçon d'histoire ? Oui, on va voir. Et puis après, quand on pose des questions, on est surpris. Mais c'est pareil dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as bien saisi ce que le Seigneur veut dire au travers de ce psaume? Oui, oui, j'ai compris. Non, tu ne l'as pas compris. Parce que la Bible dit que tu dois méditer. Tu ne peux pas comprendre juste en lisant, c'est impossible. Même moi, je n'y arrive pas. Quand je dis même, ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais pour dire, j'ai quand même quelques années d'études de la parole de Dieu, rien qu'en la lisant, je ne peux pas la comprendre. Je dois la méditer, la scruter, ouvrir mon dictionnaire, regarder ce que veut dire ce mot. Le décortiquer, regarder les synonymes. Et c'est comme ça qu'on étudie la parole de Dieu. C'est aussi en utilisant notre intelligence. Et alors, le Saint-Esprit fait son œuvre. On veut que Dieu nous parle, c'est bien, mais Dieu nous parle par sa parole avant tout. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la prophétie, même des prophéties qui touchent les nations, on veut prophétiser. Gloire à Dieu, il faut désirer, il faut aspirer à la prophétie. Mais la prophétie la plus pure, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu va nous dire, même si ce sont des révélations sur des nations, sur peu importe quoi, de grandes prophéties, entre guillemets, si ce n'est pas écrit dans le livre, il faut qu'il y ait la substance, d'accord, la provenance de la parole de Dieu. C'est elle qui fait autorité. Je vous l'ai déjà dit, mais il y avait quelqu'un qui... Un frère vraiment engagé, hein, qui venait à l'église et il voulait toujours recevoir une prophétie quand il venait. Il venait pour les prophéties surtout. Puis un jour, bon, il m'a dit une, deux, trois fois, puis un jour en visite, je lui ai dit, écoute mon frère, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Rassieds-toi, t'inquiète pas, ça va pas être... c'est pas grave, mais je crois qu'il faut recentrer les choses. Nous sommes une église de Pentecôte, ok? Donc on est pour le don spirituel, parler en langue, prophétie, miracle, etc. Le premier pour ça, c'est clair et net. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Amen. Par contre, où il y a un problème,
c'est quand on met l'expérience au-dessus de la parole de Dieu. Alors, il me regarde avec des yeux, je lui dis, t'inquiète pas, tu vas voir ce que je veux en dire. Ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu viens à l'église parce que tu veux entendre une prophétie. Bien, je te dis, mon frère, c'est faux. Tu dois venir à l'église pour entendre la parole de Dieu. Tu vois, quand le serviteur de Dieu apporte la parole, c'est ça qui doit te passionner, la parole de Dieu. Parce que moi, je ne prêche pas des choses qui sont écrites dans le journal. J'ouvre la Bible, j'aime décortiquer la parole de Dieu, et ensemble, eh bien, en fait, quand je prêche, on se prêche mutuellement, parce qu'au moment où j'apporte la parole, toi, ça te parle, il y a peut-être un verset qui te revient, il y a une situation qui te revient, et en fait, c'est ensemble qu'on médite la parole de Dieu. Mais si tu viens pour la prophétie, eh bien, ça veut dire que quelque part, il y a en toi une part de superficialité. Parce que si la Bible nous fatigue, si la Bible nous lasse, ça veut dire déjà qu'on a pris un chemin de travers. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur le sentier. La prophétie, elle doit nous ramener à la parole de Dieu. Donc la prophétie, elle va jamais contredire la parole de Dieu, mais elle va nous donner un goût encore plus grand pour la parole. Je vous donne un seul exemple, le prophète Daniel. Vous vous souvenez, le prophète Daniel, il a écrit un livre. Le prophète Daniel, eh bien, on peut penser qu'il recevait toutes des révélations comme ça, sur les nations, etc. Oui, mais le prophète Daniel était un homme qui était attaché à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que, avant de prophétiser, si vous voulez, la fin de la déportation à Babylone, la fin des 70 ans, la Bible nous dit que Daniel, il a ouvert les écrits du prophète Jérémie. Et il s'est plongé là-dedans. D'accord ? Et quand il s'est plongé dans les écrits du prophète Jérémie, eh bien le Seigneur lui a rappelé, lui a imprimé dans son cœur, Daniel, la fin de la déportation arrive. Annonce-le à ton peuple. C'est la fin de la déportation. Comme ça avait été annoncé par Jérémie le prophète. Amen. C'est la fin de la déportation. Et donc, quand Daniel a lu ça, il s'est dit, mais c'est vrai, Seigneur, ça fait 70 ans que nous sommes déportés. 70 ans. Et maintenant est venue l'heure de la joie. Est venue l'heure du retour. Mais pourquoi il a dû lire dans les écrits? Parce que tout ce que le prophète reçoit a déjà été dit dans la parole. Donc Daniel s'inscrivait dans ce qui avait été dit par les prophètes, notamment le prophète Jérémie. Et aujourd'hui, combien de chrétiens courent à ces manifestations de prophétie? Déjà, c'est très rare des fois que Dieu parle. Excusez-moi, mais c'est très rare que Dieu parle. Dieu a dit, je dis oui. Dieu a dit, c'est beaucoup dire. Parce que déjà, c'est souvent pas biblique, ou, enfin bon, peu importe, mais combien ça doit attrister le Seigneur? Mais des vraies conférences de prophétie, alors, ça, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ce que je vois, en tout cas, dans le monde évangélique. C'est pas ce que je vois. Il y a très très peu de vraies prophéties. Ou alors, de personnes, il va arriver ceci, il va arriver cela, etc. Puis tu te dis, mais, je sais pas. Ça sonne le jugement, ça sonne faux. Il n'y a pas de... Ça résonne pas dans le cœur. Et pourtant, les chrétiens courent après ça. Les chrétiens courent après ça. Ils courent après ça. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit à ce frère, si la parole de Dieu ne te suffit plus, tu vas courir après les fausses prophéties. Et tu vas être trompé. La parole de Dieu doit te suffire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Bible. Mon frère, ma soeur, si tu veux être heureux, il faut lire, méditer la Bible. Prends un petit dictionnaire à côté de toi. Voilà. Et tu dis, heureux, je sais ce que ça veut dire. Non, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ouvre la Bible et ouvre le dictionnaire. Et dans le mot « heureux », un dictionnaire, un deuxième, surtout qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de dictionnaire, on a Internet, il y a des dictionnaires super. Et regarde ce que veut dire le mot « heureux ». Étudie rien que ce mot. Est-ce que je suis comme ça, Seigneur? Est-ce que je suis heureux? C'est pas juste avoir le sourire. Il y a une satisfaction de la vie. La joie qui s'appuie non pas sur nos sentiments ou nos émotions, mais qui s'appuie vraiment sur l'œuvre du tout accompli à la croix. Donc il faut prendre du plaisir à lire la parole de Dieu. Et pour cela, il faut se discipliner.
faut pas que ta Bible soit le dernier livre que tu vas ouvrir. Si on ouvre encore des livres aujourd'hui. Ou le journal, peu importe. Avant d'ouvrir le journal, lis la Bible. Tu verras quand tu vas comprendre le journal, mon frère. Vous vous rendez compte? Moi, si je lis 4 pages par jour, enfin 4 pages, je m'entends, moi ça fait 2 pages. 1, 2, 3, 4. Je lis la Bible en un an, je relis la Bible. On a besoin, parce que la Bible est un message de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tout un message. On ne peut pas piocher comme ça ce qui nous plaît. En disant ça, je prends, ça, je ne prends pas. Hein, comme faisait une sœur une fois, voilà, elle écrivait comme ça. Ah non, là, Seigneur, c'est trop sévère. Sur sa Bible. Ça, c'est trop sévère. Tu dis, mais ma sœur, tu te rends compte? Tu crois que c'est trop sévère, mais c'est Dieu qui parle là. Oui, mais quand même, frère, c'est trop sévère. Et puis dans certains passages comme ça, ah non, Seigneur, comme ça, sur la Bible. Tout ce qui est écrit dans ce livre, même quand c'est sévère. Moi, en ce moment, je suis sur la fin de Deutéronome. Wow. Oh. Franchement, on se dit, Seigneur, heureusement qu'il y a ta grâce. Amen. Voici les malédictions qui t'accompagneront si tu désobéis, et les bénédictions qui t'accompagneront si tu obéis. Mais Dieu, Christ, nous a délivrés de la malédiction. Heureusement. Et je termine en disant ceci. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Mais son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il porte du fruit. Et à cause de ce fruit, il va réussir. Vous savez, pour réussir sur le travail, il faut porter du fruit. Exemple, si on ne travaille pas, on travaille. Si on n'est pas un bosseur, si on ne bosse pas, rien ne va se passer. C'est clair. Mais quelqu'un qui va travailler, son travail va porter du fruit. Ça va réussir. Si je veux réussir en tant que pasteur, si je veux réussir en tant que mécanicien, si je veux réussir en tant que musicien, le pasteur, il doit s'appliquer à la parole de Dieu, à la prière, aux visites, au travail pastoral, de toutes ses forces. Le mécanicien, il doit s'appliquer de toutes ses forces à la mécanique. Et le musicien, de même, il doit s'appliquer de toutes ses forces à la musique. Et alors, la musique, quand il va composer quelque chose, ça sera une réussite. Le mécanicien, il va se distinguer des autres, ça sera une réussite. Quand le pasteur va apporter une parole, eh bien parce que derrière il y a toute une discipline, j'ai envie de dire, toute une préparation, eh bien même si le fruit n'est pas visible, ça porte quand même du fruit. Tu le vois le fruit. Chez ceux et celles, eh bien vers qui tu vas. Donc, porter du fruit, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et alors on est heureux. Parce que quand tu réussis, franchement, si notre vie c'est ne pas réussir, c'est clair qu'il y a de la tristesse. Parce qu'on se dit, mais je suis un raté, quoi. Puis le Seigneur n'a pas fait de nous des ratés, frères et sœurs. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes qui réussissent. Et je vous donne ce témoignage que j'ai déjà donné ici, mais à quelques personnes uniquement. Ce témoignage véridique d'un jeune homme dans les pays de l'Est, il faisait rien à l'école. D'accord ? Absolument rien. Puis il a été comme ça, viré d'école en école. On ne le voulait pas parce qu'il ne travaillait pas, il semait le bazar. Voilà. Donc il était très très mal vu, je ne me souviens plus, c'était dans les pays de l'Est. Quel pays, je ne saurais pas vous dire. Il me semble que c'est la Tchécoslovaquie, mais je ne suis pas sûr. Peu importe, c'était dans les pays de l'Est. Et puis ce jeune homme grandissait comme ça. Voilà. Il ne travaillait pas à l'école. Et d'école en école, il était viré en fait. À un tel point qu'il ne pouvait plus continuer d'étudier. Et puis un jour, il va vers ses parents, il était encore jeune. C'était un pré-ado. Il dit, papa, maman, je veux rentrer dans une yeshiva. C'est une école biblique rabbinique. D'accord? Alors là, en plus, rendez compte, c'est pour des études rabbiniques. Alors je ne vous dis pas pour la parole de Dieu. Et les parents disent, mais tu plaisantes ou quoi? De partout, tu as été viré. Toi, faire des études, tu sais ce que c'est les études rabbiniques? Tu vas faire de la philosophie, de la géographie, de l'histoire, des mathématiques, de la science.
La parole de Dieu, c'est un puits de science, mon fils. Tu vas pas étudier comme ça à l'école. Ça, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus dur. Tu te moques de nous. Puis lui, très calme, papa, maman, je veux m'inscrire à l'école publique, à l'école rabbinique. Et eux, ils résistaient, ils le grondaient. Tu te moques de nous? Non, jamais. Puis il insiste. Il a tellement insisté, cet enfant, que les parents l'ont amené et l'ont présenté donc au rabbin. Là-bas, ça se présente, il y a 3 rabbins. Avant que vous entrez dans la yeshiva, il y a 3 rabbins. Ils vous posent des questions et c'est eux qui décident si vous entrez. Alors ils lui posent la question, « Mon fils, est-ce que tu as déjà lu la Torah en entier ?» Jamais. Alors, « Est-ce que tu connais un verset par cœur ?» Est-ce que tu as déjà lu la Gemara, le Talmud? Rien. Est-ce que tu connais des traditions de notre peuple? Rien du tout. Alors pourquoi t'es venu là? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, parce que je le veux. Je le veux. Alors le rabbin là, qui était le chef des 3, a dit, très bien, on va se réunir. Donc, il a dû partir un moment, le temps qu'ils se concertent. Ils se sont concertés. Et les 3, ils ont dit une chose. Ce gosse, il n'a rien. Franchement, il n'a rien. Absolument. Mais il a une chose que n'ont pas la plupart des Talmid Chacham, de ceux qui étudient. Il a la niaque. Il veut étudier. Et c'est de personnes comme ça dont on a besoin. Quelqu'un, moi, qui me dit, frère, on étudie, ouais, la parole de Dieu, mais tu te rends pas compte. Puis il revient, il dit alors, tous les 3, on a décidé qu'on t'accepte parce que tu as dit, je le veux. Ce gamin, en 6 mois, toute la Torah, tout l'Ancien Testament, par cœur, hein, en 6 mois, le Talmud, les Midrashim, le temps a passé, il a dépassé tous les élèves de la yeshiva, il a dépassé tous les rabbins des pays de l'Est. Et puis un jour, quand est venu le temps pour qu'il devienne rabbin d'une communauté, c'est dans le village où il avait échoué partout, d'accord, qu'on avait besoin, comme par hasard, c'est une histoire vraie, frères et sœurs, hein, qu'on avait besoin, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, d'un rabbin. Et là, on a fait appel à c'est la plus grande yeshiva de tous les pays de l'Est, hein, où il a étudié. On dit, il y a un jeune là-bas. Oh, mais lui, si vous l'avez, c'est le meilleur. Ah bon? Oui, alors on le veut. Faites-le venir. Et bon, il y avait le maire, il y avait les autorités de la ville. Et quand il était jeune, encore, il est venu. Et ils l'ont interrogé, etc. Une sagesse vraiment incroyable. Et ils ont dit, on le veut. Qui soit notre rabbin, l'unanimité, hein. Les rabbins lui ont dit, mais vous savez qui c'est ce jeune homme? Ah non. Vous souvenez de ce jeune homme, il y a tant d'années en arrière, que vous aviez négligé, renvoyé d'école en école, parce qu'il faisait rien. Vous souvenez? Ah oui, on se souvient de ce pitre. Oui, oh là là. Eh bien, c'est lui, votre rabbin. C'est lui, votre rabbin. Frères et sœurs, quand tu dis à Dieu, je veux, je le veux. T'as pas besoin d'études. T'as pas besoin d'avoir un cerveau de... Personne n'a un cerveau à 10 étages. Mais quand tu dis à Dieu, je veux être un homme de l'esprit, je veux étudier ta parole, je veux porter du fruit. Tout est possible. Il n'y aura pas de limite pour toi. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que c'est possible de réussir quand on a la volonté. Quand on te dit « je veux », alors c'est vrai, tu nous dis dans ta parole « approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Oui, Seigneur, je veux, alors toi tu veux aussi, parce que toi tu veux toujours. Amen. Merci Seigneur, parce que tu veux que notre joie augmente. Merci Seigneur, parce que tu veux que nous puissions avoir du discernement, effectivement, sur des situations, sur des fréquentations. Parce que tu veux nous ouvrir les yeux sur peut-être eh bien, quelque chose qui bloque notre joie. Merci Seigneur de nous aider à ouvrir ce saint livre, ces saintes écritures qui n'ont rien à voir avec un livre quelconque. Mais c'est ta parole. Merci Seigneur.
Parce qu'elle nous rend sages. Elle nous rend intelligents. Elle fait réussir notre couple. Elle nous maintient à notre place. Elle nous donne une raison saine. Alléluia. Elle fait de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Alléluia. Elle fait grandir en nous l'esprit de prophétie. Elle nous remplit de l'huile. Alléluia. De l'huile qui descend d'en haut. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Jésus. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ta parole qui nous révèle Christ. Qui nous révèle la grâce, l'amour de Dieu. La puissance, la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh, merci pour ta parole. Oui, je veux le dire. Comme l'avait dit en son temps cet homme, ce jeune homme. Je le veux tout simplement, je le veux. Oui, je le veux, je le veux. Je veux être pur, je veux être saint, je veux être patient, je veux être plein d'amour, je veux être plein de patience, je veux être plein de longanimité, je veux porter du fruit, je veux exercer les dons spirituels, je veux parler en langue, je veux prophétiser, je veux exercer les dons de l'esprit, je veux être fidèle jusqu'au dernier jour. Je le veux. Alléluia. Merci Seigneur. Ton peuple va retourner à la maison avec cette parole, avec cette dernière parole. Je le veux, Seigneur. Accorde-nous la réussite, Seigneur. Accorde-nous de réussir notre vie, non pas de cette réussite des hommes, mais de cette véritable réussite qui nous donne d'être heureux dans notre vie. Merci, Seigneur, de tout notre cœur. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, Jésus. Amen, amen. Amen. Amen.